Et si, moi j'ai un gros truc vert au-dessus de ta tête. Oh, Faust, ton cerveau il fume. Wesh la strut, c'est Bryce Light. On est où? On est où? On attaque directement dans la base et tout. Voilà, premier épisode du retour du Let's Play Faction sur FoxyMC. Et ouais les mecs, alors comment ça se passe? Et bah du coup, la Rugine c'est de retour. Voilà, j'avais pas trop d'idées pour le blaze. Et vu que voilà, la Rugine c'est là depuis 5 ans. Minecraft Team et Bryce Light égale quoi? Minecraft Team, voilà tout ça. Bryce Light égale Rugine, voilà frère. Du coup, on va rester sur les bonnes habitudes. Tout ça, le bon bail. On a donc là, alors je vous parle, il est 23h, le samedi 23h, le HCF a ouvert à 16h, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a fait de 16h jusqu'à 23h, je vais vous montrer d'ailleurs la faction rapidement, il y a qui, donc voilà c'est la ruine, tout ça, pour l'instant nous sommes 10 sur 15, donc il y a moi, il y a Spashuer, Grey Light Pose, Cialdeo, Sito, Mamoudou, Grey, Kavorash, ça c'est 3KD en gros, s'il y en a qui connaissent à l'ancienne, Matteo, Outsider, Lordeo, Sunnyday, The VKMC et Wallox. Et voilà, et donc du coup, et bah on est là au taquet, voilà tout ça. Je vais vous montrer tout ce qu'on a fait, donc en... j'ai fait 16h, et bah en gros en 7h à peu près on a fait. Ouais, un peu moins, ouais je dirais en 5-6h. Tout ça je l'ai fait en live d'ailleurs, hein, donc... vous êtes fait game, nique ta mère la pute. J'ai tout fait en live, fils de pute, y'a une rediff. Donc, hein, la chatte à ta mère, voilà. Du coup, si vous voulez ouais, voir les moindres choses et tout, genre vraiment vous voulez absolument tout voir, voir comment on se développe, comment ça se passe l'HCF pour la Origins, et bah les gars je vous conseille de venir le plus souvent sur mes lives, mais activer la notif et tout sur Twitch, parce que en gros je vais live pratiquement tous les jours, et en fait à chaque fois que je vais jouer je vais live, je vais essayer d'avancer quand même un peu le LP hors live pour la chaîne, en gros pour les coups, pour tu vois, pour pas que les moments chiants il y a des coupures, tout ça, tout ça, mais en gros si vous voulez absolument tout voir, et bah ça sera en direct live, donc voilà, le lien du live sera dans la description, et je live à peu près tous les jours, voilà, donc voilà comment ça se passe. Là on est au début, ça fait 5-6 heures voilà qu'on est là, on est bah tout stuff, on a au moins tout ce qu'il faut, le full game, tout ça. Là on s'apprête à aller à l'end pour farmer un peu des interfaces qu'on en a pas. Les coffres les plus importants à vous montrer, c'est celui-là. On a pas, ouais, vite fait pas mal de choses, tout ça. Et le plus important, c'est celui-là. Donc, on a déjà pratiquement deux stacks de diams, tout ça en or, tout ça en fer, tout ça en charbon. On a 2-3 spawners aussi, parce que tout à l'heure, moi j'étais pas là, je mangeais. Ils ont raid une fac, c'est con. Et du coup on a 3 spawners, on en a un en dessous, un à poser et un à récupérer avec une pioche. Donc on est vraiment plutôt pas mal. Et en gros le F-show, donc je vais vous montrer. Ah oui, il y a des petites trappes là-bas, enfin je crois que je vous ai montré. Et en gros je vais aller en haut. Et en gros nous on fait une sky base. On fait une sky base les mecs. Ah c'est nice d'ailleurs avec ce pack, on voit bien la glace, donc c'est cool. Et du coup ça part sur une sky base. Vous allez voir, je fais les foams. Allez, allez, TP ta mère, TP, TP ta mère, TP. Je crois que j'ai pas fait les foams. J'ai fait chaud comme un connard. Ouais, et donc du coup, je vais vous expliquer comment ça se passe au foam. Il n'y a rien encore. Mais ça va être une sky base. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est les meilleures bases à faire en. Tout simplement en HF. Comme ça, si jamais on est raidable ou quoi, c'est beaucoup plus simple à défendre sa base et tout. Et puis voilà, c'est moins galère. C'est franchement, c'est le. Oh, j'ai un creeper qui spawn là où je suis mort. Jure. Ouais, je suis mort. Alors, en gros, voilà, on a fait un putain de grand truc. Donc, on va pouvoir mettre des coffres un peu de partout et tout. On va faire un deuxième étage pour mettre en gros tout ce coin-là au-dessus des machines à potions. Donc, on va faire au moins 4, je pense. Et ça, je suis en train de préparer. C'est. Ça sera les spawners. Donc tout là-dedans sera des spawners, et en gros je pense comme ça on va en faire 4, en gros on va faire un point de spawn ici, un point de spawn là, un point de spawn là et un point de spawn là. Comme ça au moins il y a 4 endroits, vu qu'on est 20 au moins on se fera pas chier à attendre qu'il y en a et termine et tout, je pense que 4 c'est énorme. Et le dégât ça serait d'en mettre 2 par chaque truc. Donc en gros il y aurait 8 spawners là dedans. Donc 2 pour un, 2 pour un autre, 2 pour un autre, 2 pour un autre. Et donc il faudrait 8 spawners. On en a déjà 3 en même pas 5 heures. Donc je pense que ça va être rapide. Bon après on a eu de la chance qu'on a raid et tout. Mais je pense que ça va être rapide. Il faudra farmer comme des gros porcs. Et puis les 8 on les aura assez facilement. Et voilà. C'est bon, tout le monde est ready ou pas? Ouais. Vas-y. T'as des patates dès qu'on y va là. Y'a des mecs! Oh, oh. Ils sont beaucoup! J'ai tué un bar! GG, continue, on les baise! Attends, j'ai tué un! On les chase, ils peuvent juste. Prenez leur perle! Vas-y, restez, je prends leur stuff, moi, je prends tout! Je les gars! Oh, j'ai un stock de perles! C'est quoi ça, gros? On avait dit on avait des tristes! Ils sont encore trop, les gars! J'ai pas de perles! On avait quoi, gros? Les gars, la co, ils sont proches de co!
On les baise, on les tise. Gros, ils sont. Les gars, on les. Go les baiser. On en tue 3, ils sont morts. On en tue 3, ils sont morts, je crois. 3 vers 5. Un petit saut. Vas-y, go, on tise. Go chase, les gars. On les a retournés là. FFO, mais Warash. Ouais, ils sont encore masse, les gars. Quoi? On va aller à leur base directement. Ils sont 11 de coups, les gars. J'en ai pas eu un. BG, les gars. Par contre, ils sont trop vite. T'as mis force de direct. Ouais, j'ai mis force de direct. Abusé, j'ai mis 2 coups, gros. Bah, c'est. Vas-y, c'est leur coco. Ça, c'est leur coco. Vas-y, go. T'inquiète, je te ferai. Les gars, vous on s'est fait la. Dis-moi qu'il y en a focus comme ça. Il y en a pas 3. Tu me suis direct. Toi, c'est toi. Au pire, va y foam et tu laisses attendre. Suis-moi, voir. Attends. Et je me mets en barre. Il a un coup, il a perdu. Ouais, viens en barre, t'inquiète. Je pense pas, si, ils doivent avoir 6 perles. Il faut en tuer 4 encore, les gars, faut en tuer 4. Vas-y, on peut suivre. On a tué 3 là. Ouais, on a tué 3. Ouais, je me prends par côté, Slide. Vas-y, go, ils sont. Ils ont pas de perles là, ils ont pas de perles, les gars. Ils ont pas de perles, je crois. Je suis parti sud-est. Je suis parti direct, je t'ai laissé. Nice! Encore un moins. Plus que 3. Vas-y, go. Attendez-moi. Si vous avez des perles, allez-y, ils en ont pas, je crois. Je les vois pas, les autres, je les vois pas. Vous avez le bard avec vous? Vous avez le bard avec vous? Force 2. Ok, un mort. Nice, il a mis un truc, on récupère après, ils sont les autres. Ils ont force 2, faites gaffe, ils ont force 2, les gars. Les gars, j'arrive. C'est quoi les cocos? Barrez-vous, ils vont remettre à force 2. Barrez-vous, on vient. Le mec, il est solo, hein, il se fait gaffe. Mais Kate, hein. On encule. Et go, FO, monsieur. Fightez pas, les gars. Moins 900, moins 200. On va droppe. Il est une coupe de bâtard. Mettez un focus sur Princesse, c'est quoi vos coucous, les mecs? C'est Festage Cord et tu regardes la. Mettez un focus sur un mec qui s'appelle Princesse, les gars! Suivez-moi! Moins 900, moins 200, c'est là, c'est là! C'est bon, merci! On prend une speed ou pas? Vas-y, go! Je prends grave cher! Il sort la Glowstone Mirror! Glowstone Mirror, vous êtes prêts? Il se barre! Moi je prends un focus du coup! Y'a un archer, y'a un truc, je sais pas si je peux continuer. On va moins 900, moins. T'as où les ingrédients? Vas-y, ils sont 3 moi, sur moi, je prends cher. Oui, c'est quoi, dis les cocos, Slide. Il vient diagonale vers nous. Tranquille. Ah, mais attends, y'a Mamadou avec moi. Bah, vas-y, on va faire un 2v1. Enfin, un 2v2. Mamadou, c'est quoi toi? Je suis toujours sur le mec qu'on a. Vas-y, hein, bah, nique-le. Peut-être tout faire. Ouais, je. Perdu. Dis des cordes, Slide, au moins, on est tranquille. Et bah, la gauche, aussi. Attends, mais on se barre. En fait, ils sont plus Mamadou. Allez, en diagonale, mais mec, on va se croiser. Vas-y, on va à la base. Vas-y, bah, Kay, c'est nous là. Tu t'en sors ou pas? Ouais, je suis contre les bardes en même temps. On va se croiser normalement si vous êtes bien diagonal. Ah non. T'es tout seul Alexis, hein, c'est pas le con. T'inquiète. Non, on se barre avec Mamadou. C'est bon, il y a que des full games derrière nous, du coup tranquille. Ils sont 3, ils se barrent, ils reviennent. T'en as un, il a fond gros. Non, je suis pas le con. Attends, Mamadou. C'est ta gauche, c'est derrière. Ah bah c'était pas là. Putain, la loose. Perlé les gars, c'est pas là. Moi je perds là. On prend speed. Ah. Vas-y, redis tes cordes sur lui. Je l'ai mis ça. Donc moi j'ai fait tout l'intérieur du spawner
Et j'ai du coup fait les 4 endroits de spawn comme je vous avais dit. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis du coup j'ai déplacé la table d'enchant en plein milieu avec j'ai mis des petits envies, tout ça, des coffres, tout ça, table de craft. Je trouve ça fait super mimi et ça pète du cul. Non t'inquiète. Bon du coup là on est là, on retrouve pour la toute première enchantement de pioche si là. Attention, let's go. Efficiency 3, Unbreaking 3. Ça pue ça à merde. Splash. Wesh les mecs, du coup on est de retour, on a encore pas mal avancé, vraiment beaucoup. Moi je viens de me lever là, on est le deuxième jour, il est actuellement à peu près midi et du coup ils sont déjà tous au taquet là encore. On a augmenté un peu les slow en plus j'ai vu, il a déjà changé tout ce qui allait pas trop. En un seul jour, c'est énorme. Genre, en gros, il y avait la force qui était pas nerf, qui était un peu trop abusée. En gros, avec le barde, il y avait la routine qui était passée bien. Il y avait trop de DTR dans les facs. Enfin, oui, il y avait plein de petits trucs encore comme ça à modifier. Il a déjà tout modifié en une nuit. Donc, du coup, là, limite, il est déjà parfait. Il n'y a pas de lag. On est 225. On va même sûrement augmenter si au chaotage de 14h, il n'y a pas de bug. On va passer à 250, je pense. On verra. Mais pour l'instant, tout se passe bien. C'est super. Donc, c'est franchement, je crois que c'est la meilleure ouverture de serveur que j'ai jamais faite. Genre vraiment. Enfin après moi j'étais plus en mode là, j'ai fait la pub, je me suis vraiment pas trop occupé de ce serveur. La V1, ouais je m'étais pas mal occupé mais là que dalle. Et bah ils ont grave géré, et surtout c'est surtout eux qui ont géré. Et tu sais d'habitude il y a toujours des coups ouvertures de serveur et là il y a rien eu. C'était parfait. D'entrée de jeu ça laguait pas et là il y a eu aucune couille depuis le début, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu une ouverture qui se passe aussi bien quoi, c'est un truc de dingue. Du coup bah voilà là c'est petite déco, on a mis des coffres du coup. On a tout déménagé en bas, donc en bas je vais y aller après, je vais vous montrer. Donc là voilà on a aménagé des trois coffres. Ah oui je vais vous montrer d'abord les vaches, on a mis deux spawners là. On a mis un spawner à vache et un spawner à squelette et un spawner à zombie. Donc il y en aura deux par truc, comme je vous ai dit là pour l'instant il y en a un ici, un là. Là t'as nos petites meumeux qu'on a acheté la table d'enchant, tout ça c'est ce que je vous ai déjà montré il me semble. Donc là on a 2-3 coffres, je vais vous montrer un peu ce qu'on a dans les coffres. Donc là c'est à peu près en un jour, ouais vraiment vu que ça a ouvert hier à 16h. En pratiquement 24h tu vois ce qu'on a. Voilà ce que je vous montre, tac, parfait. Puis les minerais d'ailleurs faut qu'on en vende là. Faudrait qu'on vende mal ce charbon, plein de trucs là pour se refaire des spawners. Parce que les spawners on en a vraiment pas assez là, faut qu'on continue en avoir. Parce que je suis deux pour toute une vague de je sais pas combien, c'est pas du tout assez. Là on a fait les coffres perso. Voilà donc là il y a les miens et après c'est tous les autres coffres perso de la fac. Et ça va continuer jusqu'à la fin. En gros on peut être 20 et je crois que j'avais compté normalement ça va faire 20 quoi, c'est cool. Donc elle est super grande hein, franchement c'est le feu. Là ils ont fait des potions un peu. Comme ça c'est fait, là je crois que ça faisait cuire des patates, des trucs, non, mais... Ok, ils sont en train de faire les machines à popo, ah oui, en direct là ils ont fait les machines à popo, quand je me suis connecté ils étaient en train de faire celle-là. Ils ont déjà fini, ils s'attaquent à une deuxième je crois, du coup c'est cool. Je vais aller en bas, vous montrer rapidement du coup comment ça se passe, ce qu'ils ont fait. Donc on a enlevé du coup notre truc de cobble dégueulasse. Ils ont fait des trappes là, enfin des trappes, des trucs pour, non des zones, des portes safe là, je sais plus quoi, mes couilles, j'ai mal dans la merde. Et là ça je vous avais déjà montré, c'est un petit truc que ça c'est Splash il a fait et tout, c'est PD. On a nos cultures. Et puis voilà on est déjà bien là franchement, elle a déjà de la gueule de ouf quoi la base. On a pratiquement tout, il manque vraiment qu'on ait plus de spawners, un peu plus d'autres trucs tu vois. Et puis on est déjà bien hein, putain. Il manque plus qu'on se fight de ouf en fait, ouais, et qu'on récupère ma stuff, hein, tout simplement. Et qu'on ait de plus de spawners, mais on est déjà super, on est déjà parfait, en moins de 24 heures, du coup, c'est archi nice. Oui, moi je voulais aussi enchanter un arc niveau 30, parce que à la base de la base, j'ai commencé sur record pour faire ceci, et j'ai eu un power 3, Unbreaking 3. Je vais tout prendre, ces fils de pute, ils étaient 4, il y a même pas 10 secondes. Buzz, il est mort. Non. Ah ouais, il est mort. Ouah, sérieux. Et ouais, t'en as pas parlé de DTR. Il est pas mort, il a juste déco. Mais si, je suis mort. T'en as pas parlé de DTR. Quoi, les mecs ou pas? Il y a encore des... Oh, il y a masse de potes pierre et tout, les mecs, ils ont le charbon du stuff. Sérieux? Ouais. Ah, mais ils ont pris plus important, c'est sûr. Oh, le pot de pierre. Vas-y, go prendre les pierres. Les gars, fortune, tout ça. Vas-y, prenez. Quelqu'un m'attaque, c'est qui? Y'a un mec en haut, je crois. Y'a un mec en haut. C'est quoi vos poses? Prenez pas les trucs trop usés, mais y'a des petits stuff un peu. Prenez les gars, la bibliothèque. Y'a un mec là, je vois un mec là, les gars.
Non, c'est en haut, il vient de creuser au dessus. Là, il vient de creuser. Ouais, en haut. Sniquez. Tout le monde sneak. Splasher, c'est quoi vos Moins de 250 000. Y'avait un mec juste là, gros. 250. Non, mais j'ai senti, y'avait pas de blague. Y'a pas de terre. Essayez de sneak et les mecs ils vont sauter en bas, sneaker. Ouais, ils descendent, les gars. Restez en sneak, ils vont descendre. Restez en sneak, ils vont descendre.